Et bonjour et bienvenue sur cette vidéo, je suis Stéphane de WooProtect et ensemble je vais vous faire découvrir un plugin qui est extrêmement pratique qui s'appelle Advanced Bulk Edit et qui va vous permettre en fait tout simplement d'éditer en masse tous vos produits. Donc si vous êtes dans une situation où vous voulez par exemple augmenter le prix d'une petite centaine de produits à la fois, d'un certain pourcentage, ou si vous voulez d'un seul coup justement changer voilà, à chaque fois en masse vos produits, ce plugin-là va vraiment vous simplifier la vie. Donc on voit ça directement après l'introduction. Voilà, donc du coup, comme je le disais, je vais vous présenter Advanced Bulk Edit, donc il y a un plugin qui est actuellement disponible à hauteur de 42 $ sur Code Canyon. Voilà, encore une fois, vous avez l'habitude. Tous les plugins que nous testons sur la chaîne, dont des plugins comme ça justement, on va vous laisser une version gratuite justement sur wooprotect.fr, qui est tout simplement une version du plugin à un instant T. Voilà, donc qui sera complètement fonctionnel et qui va vous permettre de faire vos tests et voir si vraiment ça peut correspondre à vos besoins avant de pouvoir l'acheter. Voilà, la seule chose qui ne fonctionnera pas, ça va être tout ce qui va être mise à jour et support technique. Voilà. Donc bien évidemment, je vous mets tous les liens dans la description, tous les liens utiles et tout ce que vous devez savoir. Voilà. Donc pour pouvoir le tester, je vous montre ça directement, on sera au niveau de notre back-office. Et une fois activé, en fait, vous aurez ici dans l'onglet, enfin dans l'item de menu, pardon, produits, vous aurez ici WooCommerce Advanced Bulk Edit. Voilà. Donc au niveau de la mise en page, vous allez voir, c'est relativement simple. L'utilisation est très très simple. C'est tout simplement ici, vous allez avoir donc tout simplement un système de filtre. Un système de filtre, un système de recherche qui va vous permettre de dire, bon ben voilà, qu'est-ce que vous cherchez parmi tous vos produits? Donc, par exemple, est-ce que c'est par rapport au titre? Donc, est-ce que le titre doit contenir certaines choses? Donc, si le titre, par exemple, contient produits, puisque à un moment j'avais fait toute une suite de vidéos justement sur les différents types de produits. Donc, si je fais ça et que je fais prendre les produits, voilà, il va venir justement m'afficher. Donc, ici, j'ai coché variation, c'est pour ça qu'ici, j'ai mes produits, mes différentes variations. Si je décoche, voilà. Et donc, du coup, il va me dire, ben voilà, il va me sortir tous mes produits qui ont dans le titre. Produit. Voilà. Donc je peux le faire bien évidemment avec autre chose. Je peux dire par exemple au niveau de la couleur, puisque là il m'a récupéré mes attributs. Donc je peux dire ben, tout ce qui est couleur noire. On va prendre en compte aussi là pour le coup les variations. Je recherche. Voilà. Donc tout ce qui est de couleur noire, et donc du coup sur lequel j'ai renseigné mon attribut noir, mais dans ces cas-là, ça vient me le récupérer. Et je peux faire la même chose avec les matières, avec les tailles, avec bon, du coup le prix régulier, avec des prix en promotion, avec des étiquettes. Bref, voilà, vous avez même justement pour le chercher au niveau des catégories. Donc par exemple, on peut dire, ben voilà, je cherche tout ce qui est à la fois dans la catégorie accessoires et même justement tout ce qui est donc dans une autre catégorie. Attention, si vous ne cochez pas ça, ça sera le système où. Donc ça dira, bon ben voilà, dans tout ce qui est accessoires ou dans tout ce qui est. Oula. Ou dans tout ce qui est justement une autre catégorie, etc. etc. Donc voilà, donc là pour le coup au niveau de la recherche. Ensuite, si on s'attarde un petit peu là-dessus, je regarde au niveau de mes colonnes. Donc je peux choisir justement ce qui va être affiché au niveau de mes colonnes. Si je me dis à un moment, sell price, ça ne m'est pas utile, ça va me prendre de la place pour rien. Par contre, classe de TVA, ça m'intéresse. Bon, maintenant, dans ces cas-là, je le change. Hop là. Et ça va venir justement se mettre à jour. Voilà. Puisque effectivement. Hop là. Sinon, ça commence à devenir un petit peu, comment dire, un petit peu long. Voilà. Et là, je vois donc du coup tax statue. Voilà. Donc sur ça, ok. Ensuite, si vous voulez justement ajouter un produit, donc puisque d'habitude vous voyez ça au niveau de produit, vous faites produit, ajouter un produit et vous l'ajoutiez. Là, pour le coup, effectivement, il est possible de dire par exemple, je vais rajouter, boum, trois produits. Hop là, faut pas perdre le focus, sinon ça s'annule. Voilà, et là dans ces cas-là, boum, je crée trois nouveaux produits. Et là, bien évidemment, il me suffit juste, donc en double-cliquant, hop là, nouveau produit. Voilà. Donc, ce qui fait que je vais pouvoir justement ajouter des nouveaux produits, justement comme ça, de façon beaucoup plus rapide. Bien évidemment, si vous avez vraiment beaucoup plus de produits que ça, je vous conseille surtout de passer en CSV. Donc, c'est-à-dire, vous avez votre fichier CSV avec vos 100, 200, 300 nouveaux produits, et vous venez directement l'importer au niveau de WooCommerce. Voilà. Donc là pour le coup c'est on va dire une méthode un petit peu intermédiaire en termes d'ajout de produits, voilà, pour quand même avoir une certaine rapidité. Donc ici je les ai sélectionnés, je peux justement aussi les effacer. Voilà. Je peux également en dupliquer un. Donc par exemple ma ceinture, je peux me dire ben voilà, je la duplique tant de fois que je veux. Si ça peut me servir justement de base pour un nouveau produit, c'est possible.
etc., etc. Donc là, pareil, je vais la réeffacer. Tac. Voilà. Si maintenant je me dis, ben voilà, je vais rester là d'ailleurs. Si je me dis, bon ben, de là à là. Donc, si je veux tout sélectionner entre deux points, je sélectionne le premier, j'appuie sur Shift, j'appuie sur le deuxième point, et ça vient me sélectionner donc du coup tous les produits aussi entre-temps. Ça me permet de gagner du temps. Et je me dis, bon ben voilà, sur ça, effectivement, je veux augmenter leur prix. Bon, je veux tous augmenter leur prix, vous voyez qu'ils n'ont pas tous le même, comment dire, le même prix de base. Donc, je les ai sélectionnés, je fais Advanced Bulk Edit. Et ici, donc du coup, en gros, c'est sur tout ce que tu as sélectionné, ok, qu'est-ce que tu veux changer? Là, je me dis, bon ben voilà, Regular Price, donc je vais en fixer. Alors, je ne vais pas en fixer un nouveau, parce que là, dans ce cas-là, c'est dire, bon ben voilà, ça coûtera 30 euros. Mais ce que je vais faire, c'est augmenter la valeur. Donc, augmenter la valeur soit par une valeur fixe, soit par un pourcentage. Là, je vais me dire, bah tiens, une petite valeur. Et je vais augmenter de 5 euros. Voilà. Donc, OK. Et là, voilà. Donc, du coup, ça me fait une prévisualisation. Donc, je vois que justement, à chaque fois, j'ai des carrés rouges. Donc, avant ici, j'étais à 19,99. Ici, à 49. Voilà. Etc. Vous l'avez compris. Donc, là, dans l'idée, c'est voici les changements qui peuvent avoir lieu. Voilà. Je regarde, je suis OK. Et là, dans ces cas-là, justement, je vais pouvoir sauvegarder. Si vous quittez la page, si vous actualisez ou quoi que ce soit sans avoir sauvegardé, et donc du coup c'est toujours en rouge, là dans ces cas-là ça reviendra justement au paramétrage précédent. Voilà, donc voilà, pareil, split variation, bon bah justement si vous voulez à un moment couper une variation en deux, si vous voulez justement avoir un paramétrage rapide par rapport à l'affichage, c'est ici. Voilà. Et là dans ces cas-là, je vais sélectionner, tac, ça m'intéresse pas. Hop là, tout est sélectionné. Voilà, ensuite. Qu'est-ce que je peux vous montrer aussi? Donc oui, pareil. Si vous allez pouvoir donc charger, sauvegarder une vue, vous allez pouvoir voilà utiliser des champs personnalisés. Si vous voulez par exemple, vous avez une certaine meta-key que vous voulez trier ou filtrer, c'est complètement possible. Vous allez pouvoir justement trouver du coup donc Find Custom et Meta Fields. Donc là par exemple, je me dis ben voilà, ça me sélectionne un petit peu tout ça. Si à un moment je veux pouvoir faire un filtre en fonction d'un de ces méta qui moi pour l'instant actuellement ne me servent absolument pas, mais voilà, vous allez pouvoir, vous allez le renseigner, vous allez voilà, et dans ces cas-là ça vous permettra justement de le retrouver juste au-dessus au niveau du tableau. Voilà, et pareil donc du coup au niveau du paramétrage, voilà, limite de produits dans le tableau. Donc là vous avez à chaque fois des produits, enfin des tableaux de 1000. On sauvegarde en paquet de 50, c'est tout simplement si à un moment vous avez donc 600 produits, les 600 ne vont pas se sauvegarder en même temps, d'accord, ça va être 50 se sauvegarde, 50 se sauvegarde, etc., etc. Ce qui permet que si à un moment ça plante, bon ben voilà, vous savez que vous avez quand même un certain avancement qui a été fait. Voilà, donc là c'est les différents paramétrages, toujours en fonction justement des besoins, mais concrètement, hop là, au niveau de vos, comment dire, des besoins de base, ils seront très 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 largement satisfaits au niveau de ce qui est déjà présent et à ce niveau-là. Voilà. Donc, d'ailleurs, dernier petit détail. Ici, vous voyez qu'au niveau de mon encart de recherche, il est relativement restreint. Forcément, si au plus vous allez avoir comment dire, d'attributs et de choses comme ça, et au plus justement, Advanced Bulk Edit va tout simplement s'en servir, puisqu'il va se dire, bon ben voilà, ce sont des attributs qui sont quand même intéressants, qui sont utilisés par tous les produits, et donc du coup, sur lesquels il sera relativement intéressant d'avoir un système de tri, voilà, pour pouvoir les modifier par la suite. Voilà. Donc, bien évidemment, sur ceux qui ont beaucoup d'attributs, hop là, cette zone-là va être beaucoup plus grande. Voilà. Et dernier point, à regarder en haut justement, un petit Getting Started tutoriel. Si justement vous avez certains points spécifiques, surtout ici, qui est assez technique et sur lequel je ne vais pas venir dans la vidéo tout simplement parce que ça ne s'y prête pas et que sinon ça va faire une vidéo imbuvable d'une demi-heure. Mais voilà, sinon vous allez pouvoir le retrouver directement ici, ça vous ouvre directement une page de documentation en anglais et vous allez pouvoir retrouver tout votre bonheur. Voilà, donc c'est tout un petit peu justement sur cette vidéo et sur la présentation de Advanced Bulk Edit qui va vous permettre d'éditer en masse tous vos produits sans vous prendre la tête. Voilà, de façon assez simple, rapide et efficace. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que vous aurez appris de nouvelles choses. Si c'est le cas, un pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous justement pour pouvoir nous suivre, on sort énormément de contenu ces derniers temps. Encore une fois, notre objectif c'est 200 vidéos sur la chaîne YouTube avant fin décembre. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir nous suivre, pour pouvoir nous encourager et avoir toujours du contenu. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. A plus!